là, on va ouvrir le tiroir. Sur les bords, on voit très bien là les cadres de nourriture. Hein. Même sur l'arrière un petit peu. Et également sur le côté, là, ça représente deux cadres de nourriture. Sur les côtés, voilà, il y en a encore un petit peu ici. Donc elles ont attaqué les cadres bien les cadres de rive. Il y en a également là. Voilà, donc là, la cire de les cadres qui contenaient les réserves de miel, sont constitués de cires qui sont jaunes, à la différence des cadres qui contiennent du couvain, qui sont constitués de cires beaucoup plus foncées. Là, j'ai pas du tout dérangé ma colonie, hein, si ce n'est j'ai juste un petit peu ouvert le fond, mais ça c'est pas grave. En plus, il fait une très belle journée. Là, je sais que j'ai une colonie qui est en pleine activité, qu'il va falloir que je surveille dans les semaines à venir. Déjà au niveau des réserves, si ça leur suffit, s'il n'y a pas un coup de froid, donc il faudra bien compléter les réserves en nourriture. C'est une colonie qui là, on était à la fin janvier, d'ici un mois, même un peu moins, peut-être d'ici 3 semaines, je vais pouvoir l'accompagner pour qu'elle soit dans sa pleine puissance à l'arrivée des premières mielées.